Ce n'est que normal, ce n'est que normal. Ce n'est pas tout le monde qui peut aimer ce que tu fais. Ta coiffure ne te convient pas. Manior, je te préfère comme j'étais avant. Manior, il faut. Hey! Les gens se lèvent, ils font des coiffures, ils font des trucs. On regarde, on ne parle même pas où. Mais Manior s'est levé, lui, il a fait sa coupe de chevelure. C'est devenu déjà un débat, on commence à parler sur ça. Critiquez autant que vous voulez, voilà ça, je vais t'inquiéter même, critiquez autant que vous voulez. Si les critiques avec tu es quelqu'un, c'est que je suis déjà mort, parce que depuis le début de ma carrière, j'ai été critiqué. Manioc, je vois tes contenus mon petit, il faut améliorer, Manioc, tu fais mal les montages, Manioc. Je ne gérais rien, j'ai continué, j'ai dit que non, ce que vous dites là c'est pour vous. Avec le temps, moi je m'améliore, je ne suis même pas là pour comprendre que Manioc, on te critique. Donc, je vois les commentaires au début. La comédie n'est pas faite pour toi, Manior, faut laisser. La Manior, tu n'es pas né pour être comédien, laisse ça, va chez le travail, Manior, va à l'école. Vous faites une vidéo sur moi, vous me parlez un jamais, je ne réponds jamais. Parce que je n'ai pas le temps, time is money, je n'ai pas le temps. Je me lève et dis que tu fais la vidéo, tu parles de moi. Non, jamais. Même ce genre de contenu, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de contenu, c'est parce que ça bavarde beaucoup. Ça bavarde beaucoup que Manior, donc j'ai changé de look. J'ai juste changé de look. Tout le monde a commencé à bavarder. Ceux qui n'avaient jamais parlé de moi ont commencé à parler. Ceux qui ne me connaissaient même pas ont commencé à. Ils se sont venus comme ça, dit c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai là? Qu'est-ce qui est vrai? Et c'est où j'avais compris que vraiment il y a les hypocrites dehors. Ils attendent que tu commettes une petite erreur comme ça pour te montrer leur vrai visage. Parce que à travers ces coiffures, j'ai compris beaucoup de choses. Je reste, je vois les gens qui m'insultent. Les gens qui m'insultent. Je vois les commentaires en message IB, Manior, j'aime tes contenus, Manior, j'aime tout ce que tu fais, Manior, je suis fan de toi, Manior, je vais travailler avec toi, Manior. Mais dès que j'ai fait ça, pip! Manioc, le gars m'énerve même déjà. Je t'ai fait quoi, papa? Rien pour toi. Mais ce mec, ta bouche dans les choses des gens qui est sucré. Je suis venu pas parce que quelqu'un m'a dit que va sur les réseaux travailler pour que. Non! Personne ne m'a dit, prends le téléphone, lève-toi et fais. Non, personne ne m'a dit, je me suis levé. Moi-même, j'ai provoqué, j'ai fait mes contenus, on a aimé. Et chaque jour, ça ne fait que progresser. Mais voici, j'ai été nominé au Africa Award cette année. Mais voici qu'il y a mon disque YouTube que j'ai récupéré cette année. Mais voici qu'il y a changé de look cette année. Critique autant que tu peux, papa. J'ai aussi vu cette vidéo qui circule sur le net que un jeune homme a tendu la main et j'ai snobé. Je n'ai pas snobé, c'était pas volontaire. Parce que si vous avez constaté bien, quand je descends de la voiture, parce que j'étais avec ma soeur Chicago dans la voiture, lorsque je descends de la voiture, il y a un militaire de l'autre côté de la voiture qui me dit Manioc. Quand je me regarde, il me dit c'est comment. Et c'est le moment là où le monsieur avait tendu la main. Parce que quand il m'a dit Manioc, j'ai regardé, j'avais les mains dans la poche. J'ai regardé comme ça, quand il m'a dit ça va, il a fait comme ça. La main du monsieur était comme ça. Moi, me revenant que le monsieur, sa main n'était plus là. Il parle jusqu'à m'appeler Ruby. Ruby toi-même, Ruby chez vous. Le feu sur ta bouche. Donc je vous dis merci également à vous pour les 2 millions d'abonnés. Parce que c'est grâce à vous si j'ai eu 2 millions d'abonnés en 11 mois comme ça. Je ne vais répondre aux commentaires de personne concernant ma coiffure. Je ne vais répondre à la vidéo de personne concernant ma coiffure parce que j'ai pas le temps pour les critiques. Tout ça. Je suis pas là. Je suis un créateur de contenu. Moi, je suis pas un gars qui va se lever chaque jour. Vous dites que ma coiffure comment vous êtes? Non, je suis pas là pour ça. J'ai pas le temps. Je dois écrire mes scénarios, je dois appeler les acteurs, je dois tourner, je dois satisfaire ma communauté, ça va. Donc tout ce que vous faites sur les réseaux là, ça me concerne pas. Tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais, c'est ce que j'ai compris d'abord là-bas. On ne se connaît pas, on n'a jamais fait un truc ensemble, toi tu restes, tu dis que je te déteste. J'ai vu que ça c'est la sorcellerie, tu es un sorcier, ça va, j'ai compris que tu es sorcier. Donc je pense que cette tension dans l'air, c'est juste un malentendu parce que mes abonnés, vous le savez bien que j'ai un nouveau concept. Toujours avec ma maman Taekwondo. Vous-même, vous avez vu le nouveau concept et les gens sont en train de valider le concept. Parce que tout le monde aime le concept. Le nouveau Benguis, après avoir passé 2 jours en France, tout le monde est en train de yammer le concept. Et je suis en train de continuer avec le concept. C'est pas parce que les critiques sont venues pas parce que je vais aller détacher mes locks, je vais arrêter le concept. Jamais. Hey, abat ta ballon bas. Jamais. Parce que si c'était que les critiques, hein, c'est que je ne suis même pas sur les réseaux. C'est que je n'ai jamais eu 2 millions d'abonnés en 11 mois. C'est que je n'aurais jamais eu 2 millions d'abonnés en 11 mois. On m'a critiqué, on m'a parlé. Manioc, les réseaux sont mauvais, ne tente pas. Quand tu vas pas 1 million, on va te. J'ai eu peur. Après, j'ai dit que man, j'ai même peur de quoi. Les critiques de quoi sur ma vie, c'est ma chose. Tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai fait. Et c'est celui qui ne peut pas faire ce que tu fais qui se lève et dit mon petit, c'est mauvais, ne fais pas ça. Et pardon, laissez mon grand frère Tricago tranquille. Faut laisser Tricago tranquille. Parce que je vois les gens qui disent Tricago, tu ne le conseilles pas bien, Tricago ne l'encadre pas bien. S'il vous plaît, vous hypocrites, vous levez, vous bavardez pour rien là. Pardon, faut me laisser tranquille, faut me laisser tranquille. Je ne viendrai plus faire une vidéo de ce genre de contenu parce que c'est pas mon style de contenu ça. Moi je crée les vidéos, je suis comédien. Tu peux pas venir me dire que maintenant retire les lois quand tu mets ceci parce que. Demande l'argent, il fait alors. Demande l'argent, il fait alors, papa. Ha, pétard. J'ai vu Wanda sur les commentaires, j'étais étonné, j'étais dépassé de voir qu'il y avait des gens comme ça qui avaient mon macabre. Ils ne savaient pas. À moi, je suis un simple créateur de contenu parce que je n'ai jamais cherché de pouvoir à quelqu'un, je n'ai de pouvoir avec personne. Je ne dis pas dans mes vidéos pour rien que je n'ai pas de pouvoir avec toi. Parce que là où je suis, je n'ai de pouvoir avec personne. Je ne suis en conflit avec personne. Mais je suis étonné qu'il y ait des gens qui ont des pouvoirs avec moi, que moi je ne suis même plus au courant. Donc je m'excuse d'abord du côté là à ma communauté parce que fallait que je parle d'abord pour cela. Parce que lorsqu'il m'a tendu la main, moi j'étais discret, j'ai pas vu ça même. Aux hypocrites là qui font que parler de mon dos, que vous allez parler beaucoup. Vous allez parler jusqu'à. Vous n'avez même pas encore commencé à parler.
Parce que le Bengis, il vient encore d'arriver au Cameroun. Donc, je suis à l'épisode 3 déjà. Le Bengis vient d'arriver au Cameroun. Sa maman l'a tapé déjà. Il a changé. Maintenant, si, il va teinter ça en bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Quand vous allez voir cette coiffure-là, non. Pleurez une fois. Prenez la caméra, vous pleurez une fois. Si ma communauté aime bien la comédie que je fais là, non, ça va. Hein. Donc, vous là qui restez, vous prenez le temps. Babadi, 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 babadi. Ça ne te convient pas. Oubi, oubi. Je m'en fous, je m'en tape. Du moment où le cœur est blanc, on n'aura jamais honte. Bon, je trouve de buzz. Je ne suis pas des dames, je suis créateur de contenu, donc ça ne me concerne pas, ça ne me regarde en rien. Moi je travaille, ça n'empêche pas mes cadeaux à l'arrivée, voilà mon trophée YouTube. Vous avez critiqué mes vidéos, Manion, tes contenus ne font pas rire. Je vois les messages qui me disent, Manion, tu ne fais pas rire, depuis que tu regardes, tu ne m'as jamais fait rire. Papa, si je ne t'ai pas fait rire, non, j'ai fait rire YouTube. Tchabi, non, bah YouTube, tu m'envoies le cadeau, tu m'as fait rire, papa, prends le cadeau. T'as compris, non? Et tu pleures. J'ai aussi créé un groupe WhatsApp pour mes abonnés, mes fidèles abonnés. Donc, vous allez aller sur la bio de mon compte TikTok, vous allez voir le lien de mon groupe WhatsApp. Clique sur le lien et intègre le lien parce que c'est là-bas qu'on bavarde beaucoup, c'est là-bas qu'on fait les bruits entre nous. Donc, les amis, je vous attends dans le groupe WhatsApp. Seigneur, s'il te plaît, veille sur mes yeux.